Alors, le club de golf de Montesco a décidé de faire une virée golfique en bus la semaine dernière. Sans les siens, mon pacalo. Oui, je sais, Smarty. Tu joueras la prochaine fois. En tout cas, avec des bus qui en prennent 50 au max chacun, il nous a fallu 7 bus avec les joueurs et les accompagnateurs. Ce qui se joue pas, mon pacalo, comme les siens. Oui, désolé, Smarty. Et en fait, les bus, d'ailleurs, n'étaient remplis qu'aux deux tiers. On avait vu peut-être un peu trop large. Arrivé au boulot, il y a un quart des passagers qui sont descendus des bus pour aller faire une petite randonnée. Ce qui se joue pas, mon pacalo, comme les siens. Smarty, ça suffit, hein? Alors, par souci d'économie, on a laissé là quelques bus, histoire d'économiser l'essence. Du coup, à ton avis, combien de bus sur 7 sont restés au boulot? C'est pas mon pacalo. Puis, j'arrive pas à m'intéresser à ton histoire là. C'est pas pourquoi. Smarty, je te l'ai déjà dit, je suis désolé. Oui, mais sans les siens, mon pacalo, c'est n'importe quoi, Smarty, je te le promets. Lors de notre prochaine virée, parole, parole, parole. Alors, posons notre devinette, et je pense que je vais le faire seul aujourd'hui. Je vais appeler X, le nombre de personnes initialement présentes dans les bus. Avec 7 bus, nous avions une capacité de 7 fois 50 personnes, c'est-à-dire 350 personnes maximum. Donc, X, le nombre de personnes, était forcément inférieur ou égal à 350. Et comme en plus les bus n'étaient pleins qu'aux deux tiers en moyenne, en fait, X était inférieur ou égal à deux tiers de 350. C'est-à-dire 233,333333. Mais bon, on ne compte pas des personnes, des morceaux de personnes, ça n'a pas de sens. Donc le nombre de personnes était inférieur ou égal à 233. Un quart des personnes, essentiellement les randonneurs, sont descendus au boulot. Donc du coup, il m'en reste que 1 moins un quart, c'est-à-dire 3 quarts des maximum 233 personnes. Du coup, x était inférieur ou égal à 174,75. Et comme on ne prend pas des morceaux de personnes, encore une fois, ça faisait 174 personnes au maximum. Et comme chaque bus ne prend que 50 personnes, eh bien ça fait 174 que divise 50, c'est-à-dire un peu plus que 3 bus. Et on ne peut pas prendre des morceaux de bus. Ben donc on est reparti avec 4 bus. 3 sont restés sur place au boulot. Et voilà, Smarty. C'était le dé, mon pacalou. Allez, arrête de bouder, Smarty. Allez, viens, je vais te préparer tes croquettes. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux, mon pacalou. Tant mieux, Smarty, tant mieux, tu retrouves ton sourire canin. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, et je te donne rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Zéat, mon pacalou, zéat!